C'est maintenant à Arnaud de prendre place en salle des ventes afin d'y défendre sa paire de fauteuils William Katavolos datant des années 50. Rappelez-vous de la réaction de notre commissaire-priseur lors de leur expertise. Le seul problème que je vois, c'est que vous les avez peints. Et aujourd'hui, les collectionneurs, ils cherchent quand même des objets dans leur jus. Dans l'état, je donnerais une estimation de 1000 euros pour la paire. Oh ben ça va. Voyons si ce revêtement léopard ne fait pas trop tâche. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Monsieur dame, bonjour. Comment allez-vous? Bah pas mal. Pas mal. Pas mal. Ouais, pas j'espère mal. Que qu'en sortant de la salle tout à l'heure, vous irez encore mieux. Ben j'espère aussi. Oui. Quel est votre prénom? Arnaud. Arnaud. Et d'où venez-vous Arnaud? À côté de l'Orléans. Bon, racontez-nous, comment vous avez eu ces fauteuils? C'est un bon designer. Le designer d'origine, oui. Oui, oui. C'est quoi, c'est il bon est connu, Katavolos, William. Bravo. Architecte. Un architecte aussi, très connu. Oui, aussi, grec, et qui est rapatrié à New York. Bien ou pas après. Oula, oui. Il y a ça, combien c'est... de temps? Je dirais une vingtaine d'années. Ah ouais, et c'était avec ce tissu-là? Non. C'est pas, c'est du cuir, hein? C'est pas du tissu. Qu'est-ce que c'est? Il se marre. C'est du cuir léopardisé, on va dire. C'est ça. On est bien dedans. Et le léopardisage, c'est moi qui l'ai fait. Mais pourquoi? Mais... Arnaud, va dans ta chambre, c'est bon maintenant. J'y vais. Arnaud, vous êtes puni. Tout simplement parce que j'ai fait un trompe-l'œil chez moi sur une porte avec un guépard. Et ça allait très très bien avec. Mais vous êtes peintre, vous faites quoi dans la vie, Arnaud? Je suis artisan, je travaille dans l'aménagement intérieur, donc... Ah oui. Décorateur, un petit peu. D'accord. En tout cas, dans ces fauteuils, on est super bien, n'est-ce pas, Aurore? Oui, bah, mais une enchère. Bah, 10 euros. 10 euros, t'as dit? Ouais. Pour commencer, faut bien attends, commencer. Attends, mais nous, on peut les essayer? Allez, oui. Non. Vas-y. On veut les voir, surtout. Wow. C'est 50 euros pour essayer. Ah, bon, ça va, je les mets. Allez, moi, je mets 100 euros. C'est dommage d'avoir été peindre dessus, ouais, quand même. Je pense que la peinture peut s'enlever facilement, c'est un acrylique. Non, vous savez, là, je pense qu'on peut plus rien faire. Non, je crois qu'il faut remplacer. Non, le cuir pas, mais... est totalement cuit. Il doit être sec, il non est cuit, ouais, ouais, il... Ah oui, j'ai donc... Oh, il donc, fait... Écoutez, il n'est pas hydraté, il n'est pas le hydraté. Le bruit. C'est la peinture qui craque. Là, on a l'impression que c'est du scratch. Bon, allez, moi j'ai mis 100 euros. Je peux essayer, s'il vous plaît? Non. On est bien dedans. D'accord, mais j'aimerais bien voir. Non, allez, vas-y. Non. Sentir plutôt. Vas-y, vas-y. Oh, non, de toute façon, on les connaît. Non, mais là, tu vois, c'est tout craqué. On est bien là dedans. Il faut juste. Non, je pense qu'il faut. On va faut, pas. Il on va faut pas oublier du truc, mais il faut les refaire. C'est possible de réadapter quelque chose dessus. Mais dites-moi, comment fait-on entrer le cuir là? C'est une mâchoire, en fin de compte. Il y a des petites clés Allen en dessous. C'est ça. Tu le démontes, tu reprends le patron. Ce qui est bien, c'est qu'on a le patron. Et ben exactement. Ouais. Ça, c'est déjà bien. C'est le patron d'origine, ça. Et ça, c'est chouette. Ah, exactement. Allez, on va dire 400 euros. 500. 600. 700. 50. 800. 900. 50. 1000. 1050. 1100. Tu crois que t'as vu 1000. Vous en avez pas beaucoup, on est comme ça. Ah ben, bah, surtout ah là, pas là, c'est ça, sûr, sincèrement. Déjà d'origine. Arnaud, c'est unique. Ce sont des alors pièces uniques. Mais justement, ils valent peut-être plus cher maintenant. Alors, vas-y, dis 1000 quoi? 1100 avec Diane. 1002. Quoi qu'il y a peut-être des clients qui aimeraient bien comme ça. Moi, non, je pense. Si. Pourquoi pas. Moi aussi, je suis sûre. Pas chez moi. Moi, je m'arrête là. Alors, vous êtes entre vous deux. Bah, c'est moi, 1002, je crois. Oui, et puis comme... 1250. Allez, allez. Ah. Allez, allez. 1003. 1350. Elle lâche pas, hein. Une vraie lienne. 1004. 1450. Elle les veut. 1005. 1550. Tu vas un peu arrêter de m'embêter. Bah, c'est toi qui m'embêtes, hein. 1006. 50. 1007. 1008. Bon, de toute façon, elle va y aller au 2000, hein. Ou plus. Plus il y en a, mieux c'est. Ça vous dérange pas? C'est nervante. Et pourquoi tu les regardes? De toute façon, tu sais très bien que tu vas changer l'assise. Ça lui permet de gagner du temps pour mieux réfléchir à savoir c'est pour combien te... il voilà. Oh, pour garder une certaine contenance. Voilà. Dans ce moment décisionnel très important. Tu as raison. Alors, 1850? 1009. Oh là là, elle ne lâche pas l'affaire. 2000. 50. Ah, il a dit avant toi. 2050? Oui. C'est pour toi. Oh, cadeau, non? Ah, c'est bien. C'est pas mal. Allez, venez, venez, venez. Oh, mais j'attends. Non, nous, on arrête là. Si vous ne bougez pas, il se passe rien. Clément aussi, on est couché. Vous voulez pas venir? Pas plus. Moi, il va regretter, hein. Il va regretter.
Non, il faut quand même racheter le cuir, démonter, remonter, couper. Il y en a de nouveau pour 1000 balles. Hein. Ouais. Allez, venez. C'est bon, personne. Ok. Bon, allez. 2100. Oh là là, c'est bien. Beau ça. 50. 2175. Allez, vas-y. Ah. Venez. Ah, voilà. J'étais prêt à 2000, un petit peu avant. Ah oui, j'aime bien. 2002, prêt. Allez. Hop. Alors là, vous pouvez vraiment allez, y aller, c'est bon, là, on a assez rigolé. Allez, la danse d'un pas de bière. En plus, avec un cuir belge, ça va être d'un ennui. Mais d'un ennui, d'un bourgeois. Oh là là. Bon, allez, hop. Il est vexé. Il est vexé parce que... C'est, il passera. Allez-y. Non, non, allez avec cette fille, c'est bon. Ah, bah, oh, cette fille. Bravo. Il est vexé. Bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Au merci au beaucoup, Arnaud. Au revoir. Mais quelle bataille. Non, et le problème, c'est que Gérald et moi, on a très régulièrement les mêmes goûts. Non, elle a bien eu raison de les acheter, Diane. Ils sont très, très beaux. C'est une très belle paire de sièges. Et c'est très confortable, ce qui est quand même très important pour des sièges, en plus d'être beau.